La peinture intitulée Le gobelet d'argent, peinte par Jean-Baptiste Siméon Chardin, est l'une des plus magiques du Palais des Beaux-Arts de Lille. Magique, vraiment, cette nature morte de Chardin, peinte autour des années 1730. Chardin est alors un jeune peintre, un jeune artiste qui va connaître une carrière absolument brillante. Et il va faire de la nature morte sa grande spécialité. Alors, celle de Lille présente presque un repas sur le pouce interrompu, un reste de jambon dans une assiette en étain, une miche de pain dans laquelle un couteau a été planté, on dirait presque le pinceau de l'artiste, une bouteille de vin à l'arrière-plan et puis surtout ce gobelet d'argent qui donne son titre à l'œuvre, qui reflète et dont on aperçoit encore le vin dont on serait prêt à boire une gorgée. Alors, face à ce type de peinture, l'adjectif magique pourrait presque un petit peu étonner. Il a été employé par un grand écrivain, philosophe, critique d'art, Denis Diderot, qui qualifie de Chardin de grand magicien. De grands magiciens, de grands ordonnateurs de compositions muettes qui parlent tant. Et c'est toute cette ambivalence entre quelque chose d'assez banal, d'assez quotidien, et la très grande poésie qui peut se dégager de ce type de composition. Une composition qui s'est épurée petit à petit sous le pinceau de Chardin, puisque à l'origine, et c'est une radiographie du tableau qui nous l'a révélé, il y avait un gros chou vert à la place de la bouteille et un citron aussi près de la cuillère qui n'apparaissent plus aujourd'hui parce que recouverts de la couche picturale que l'on voit là maintenant et qui fait de ce tableau vraiment une composition très resserrée, d'une grande sobriété et d'une très grande poésie.